becha por do. Oh. O de no kilo a kete. Kes ki kete? Kau kilo a par. Marmo. Los, marmo. Los, marmo. Kilo a par no dongi duaro. Normally wa kete ga por. Ondo ki chak manyen. Ondo ki duwa kete. Ondo ki chak manyen. Gibo tiyo gi mo kilo a par. Le petit vol, c'est bien parce que une piqûre sur le visage, c'est pas très agréable. Donc on peut se protéger avec un petit voile comme ça. Juste comme ça. Si on l'attache ici, là autour de la taille, et on peut travailler. Bon. Moi j'aime bien utiliser ça parce que c'est léger, on voit bien. So if you're not scared of the bees, you can use just some clothes, with gloves, and something like this to cover your face because the stink to the face is bad. Mm. But if not, you can use the entire bees. Koki luoro kich, which angeni kwase chakogino kubu luoro kich. Inyalo tiyo gi ni umugo wani. Koki luoro kich, inyalo tiyo gi ni umugo wani. Gi gloves, koki luoro kich aina. Lakini koki luoro, kichoni nyaki luwa ki uniform nete. Si on a peur, on peut utiliser des vêtements, des combinaisons intégrales comme ça. Les abeilles ne peuvent pas piquer au travers des trous parce qu'il y a plusieurs couches de tissu. Mais ça, on est enfermé complètement, c'est lourd, il fait chaud. Mais ça peut être très pratique pour ceux qui ont peur. If you're afraid of the bees, you should use this one, but this one. It's hot, it's heavy, and it's less practical. Ki luoro kich, ekinyalo koro tiyo gi ma. Kama okoshida neno pek, liet. Lakini chuli kuna kiti kodi bende. Ka orwako moro cha, to orwako ga satini. Gino satini. Mano orwako agi moro cha. To wan kapo dwa chako, kato ko orwako maa orwako bila. Kibe wan yu. On allume un enfumoir toujours avant d'intervenir sur une ruche. Parce que les abeilles, si on les prévient, on met un petit peu de fumée. On attend un petit peu et après on ouvre la ruche et là les abeilles sont plus calmes que si on ouvre directement. C'est toi Jacques, c'est bon, on va s'arrêter. Belle équipe, n'est pas. C'est une belle équipe. Thomas a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. So you put some grass inside and light in the fire and smoke the bees. Because if you warn them that you're going to intervene in the beehive, they will eat some honey and will be less aggressive. Okay. And that's why it's made for. Ma ilogoni smoker, enmar kirenemar o kirene kitch. Voilà, on fait comme ça. Un petit peu à l'entrée. La fumée, le smoke doit être blanche. Le smoke will be white and cold. What you need, Irono? Sami kude kamano. Yakiri tumonde ma Irono. Mungu mugo kama blue. Irono blue no en Irono diye. Toko se lokre na char. Pure ni Irono ni. Mokwan. Si elle devient bleue, elle est trop chaude. If the smoke becomes blue, it's too hot. Si elle devient bleue, elle est trop chaude, il faut mettre de l'herbe. If it's too blue and too hot, you should put more grass. Kine no kolokre rambulu kendo lume imede kendo imedo lu iya ki medo lu magi mo loso kende ino koro ang'ich tamane maber tiyo gi kitkit.
high vainani, I go lega di dekeiga. To ma nyaloga miye, ma kamiye korogi, ma nyalo miye, ma pato mokuongo, kila reyo. To mano korgi, korwa ka kich ngen, korgi kich top. To korgi bende, kich man ngen kabisa. Chien, te dire ma onge chien, onge, onge, ilo mora de, pini ngech. Kwa karwa ka, wanya yudo ma man ngen. Wanyo korgi. Donc sur une sur un magasin à miel comme ça, si tous les cadres sont pleins, on peut récolter environ 20 kg de miel. Si vous avez une douleur à l'épaule par exemple, si vous avez mal à l'épaule, vous mettez la veille là sur votre épaule, ça va vous piquer. If you want to try the peep therapy, vous pouvez voir le dard. You catch a bee in the places where you hurt. There is something there. And that's it. That's the bee. Le venin d'abeille. Oh, yeah, I use it. Eric. Eric. He needs a lure of all. Did you translate that, Eric? Alors maintenant, va ici. On va expliquer ce qui se passe. You can use bees for therapy. You take a bee and you place it where it hurts, and it will sting you and it will help relieve the pain. What you need? You need bee therapy. Bee therapy need. On va trouver.